Il revient. Dieu est grand. Dieu est grand. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est grand. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu tout temps. Je suis fort. Je suis fort, fort. Il puisse vaincre par le nom de Jésus. Nous sommes forts en lui. Est-ce que tu es fort en Christ? Qui est fort ici? Alléluia. Dieu est grand. Merci Seigneur. On peut prendre place. Alléluia. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force! La force est en Christ! En qui? La force est en Christ! Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ! Veux-tu briser tous ensemble? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ! La force est en Christ! Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force! Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus. Forts, forts, plus que vainqueurs, de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Ah. On voit toutes ces belles choses que le Seigneur accomplit. Et le réveil, quand il y a un réveil, il y a de tout. Et c'est pour cela qu'il nous faut un cœur large pour pouvoir aider chacun. Quand il y a un réveil, ben, le nom de Yeshua est glorifié. Il y a des cœurs qui se repentent. Des satanistes se repentent et des guérisons s'opèrent. Il y a des idolâtres qui sont aussi attirés. Il y a de tout. Quand vous jetez un filet dans l'eau, vous attrapez toutes sortes de choses, de poissons, voilà. Et maintenant, c'est aux pêcheurs de faire le tri. Et c'est ça le réveil. C'est un filet que Dieu jette. Or, nous sommes justement dans cette époque, dans ce temps où, dans les nations, il y a un désespoir. Il y a beaucoup de désespoir. Les hommes sont de plus en plus déçus de leurs gouvernants, de leurs dirigeants, et on le voit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette génération que j'appelle la génération de McDrive. Et on n'a plus tellement le temps de faire à manger. Donc, il y a de plus en plus des boutiques des surgelés, des magasins de surgelés, on peut acheter du surgelé. Il y a des micro-ondes. Et il y a des restaurants rapides. Il y a du prêt-à-porter. Donc, vous voyez, cette génération est faite de sorte que les gens veulent tout de suite avoir. Ils veulent avoir tout, tout de suite, tout posséder, tout de suite. Et donc, il y a cette déception qui est là. Il y a un besoin énorme de la tranquillité, de la quiétude, de la paix dans le monde.
Et malgré ce désir ardent que les hommes ont par rapport à la paix n'est toujours pas là. Et des crises, il y en a de plus en plus. Diverses sortes de crises, politico-économiques, familiales, des tensions entre les frères et sœurs de la même famille. Et on le voit, ces choses-là, aujourd'hui. Donc, alors, Dieu, justement, est en train de donner une réponse à cette génération désespérée. Le Seigneur est en train de donner cette réponse dans les nations, parce qu'actuellement, dans l'horloge de Dieu, les vrais enfants de Dieu aspirent au retour du Mashiach. Cette aspiration devient de plus en plus intense, de plus en plus pressante. Et comme Pierre le dit, hâtez et attendez l'avènement du Maître, du Mashiach. Et on sent ce besoin de vivre autre chose avec Dieu. Et alors, il y a une sortie première qui se met en place, c'est-à-dire la sortie physique, spirituelle et physique, n'est-ce pas, des systèmes des hommes. On le voit, ce mouvement aujourd'hui, on le voit dans les nations. C'est un mouvement global. Le réveil actuel est un réveil global qui n'a pas été déclenché par une dénomination, par un prophète, par un apôtre, par un prédicateur, mais par Dieu lui-même. C'est lui qui a, n'est-ce pas, initié ce vent qui est en train de secouer les nations et actuellement. Et ce vent va de plus en plus s'amplifier, de plus en plus prendre de l'ampleur. Et ce mouvement de la révolte, mais une bonne révolte, la révolte par rapport au péché, une révolte comme un peu la révolte des Maccabées, ceux qui ont connu un peu l'histoire des Maccabées, par rapport à l'histoire juive. Ces hommes, cette famille, n'est-ce pas, qui s'était révoltée contre l'occupation grecque et contre l'hellénisation, c'est-à-dire le fait que les Grecs imposaient leur culture aux Hébreux. Le temple était souillé. Et cette famille de Maccabée, la famille de Dieu, s'était levée contre cette occupation pour purifier justement le temple. Et on voit depuis quelques temps, depuis quelques années, si vous êtes sincère, si vous vous rappelez, Dieu a initié ce message du retour à la parole. Nous ne sommes pas les seuls à proclamer ce message. Beaucoup d'enfants de Dieu, au départ, n'avaient pas compris ce message. Au début, ça a créé des émules, ça a créé des tensions ici et là. Ça a provoqué des choses, de la rébellion chez certains, qui pourtant sont sincères dans leur démarche avec le Seigneur. Et parce que beaucoup ne comprenaient pas comment ce message peut être véhiculé comme ça, c'est dur. Comment peut-on dire qu'il ne faut plus payer la dîme? Comment peut-on dire que les bâtiments d'église, ce n'est pas ça? Comment peut-on dire que Dieu est... Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes, tout ça. Il n'y a pas de... Ça a créé des tensions. Et dans les nations, dans le monde entier, les vrais enfants de Dieu avaient déjà dans leur cœur cette révolte. Bien que fréquentant certaines assemblées, beaucoup d'enfants de Dieu se disaient, il nous faut autre chose. Quand on lit, quand ces enfants du Seigneur, ces chrétiens, lisent la parole, ils se rendent compte qu'il y a un décalage entre le fonctionnement de leurs assemblées et la parole, et les églises bibliques, notamment quand on lit les Actes des Apôtres. Alors, comment faire? Et je vous assure, dans les nations, actuellement, le mouvement de Dieu est en train de prendre une ampleur inégalée, inégalable, je vous assure. Alors, il faut comprendre une chose. On entend souvent des chrétiens dire, non, nous ne suivons pas un mouvement. Non, c'est un nouveau mouvement. Mais ils oublient en même temps que ruach, ce terme hébreu, ruach, traduit par esprit, signifie aussi mouvement de l'esprit. Signifie aussi vent, souffle, haleine. Ça veut dire que dans chaque génération, dans l'histoire de l'Ecclésia, de l'Église que nous sommes l'Ecclésia, Dieu du ciel a soufflé. À chaque fois, Dieu, c'est comme s'il soufflait de sa bouche, n'est-ce pas? Il envoyait ce vent, comme dans Acte 2, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous raconte là, ce n'est pas des histoires. Un vent impétueux qui venait d'où? Qui venait du ciel. Et vous avez vu ces hommes et ces femmes, les 120 disciples dans Acte 2, qui avaient connu la religion, qui avaient connu le judaïsme,
qui avait été préparé pendant 3 ans par le Seigneur à recevoir quelque chose de nouveau. Eh bien, du haut du ciel, depuis son trône, le Père a soufflé de nouveau. Et rappelez-vous bien que Dieu a aussi soufflé pour la première fois lors de la création, après avoir fini la création de l'homme. On nous dit que Yahweh Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Vous voyez, Dieu est celui qui souffle. Il souffla dans ses narines, n'est-ce pas, le souffle de vie. Et on nous dit que l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, l'homme était réveillé, littéralement ressuscité. Nous sommes dans Genèse 2:7. Et je vous assure, si vous lisez les Écritures de Genèse à Apocalypse, Dieu a toujours soufflé. Toujours. À chaque fois que vous apprenez qu'il y a un réveil quelque part, c'est que Dieu est en train de souffler. D'accord? Et quand Dieu souffle, le vent qui vient là, qui est libéré, est plus terrible, plus puissant que les ouragans, n'est-ce pas, que nous connaissons, les tempêtes que nous connaissons, parce que ça balaie tout. C'est un vent purificateur. Et toutes les personnes qui n'ont pas Yeshua comme fondement sont emportées. Et Dieu crée Adam et Dieu souffle dans ses narines ce souffle de vie. D'accord? Dieu arrive dans acte 2, de nouveau il va souffler. Et regardez ces hommes et ces femmes qui avaient peur de parler, qui étaient enfermés, qui n'osaient pas affronter, n'est-ce pas, le péché, affronter le monde, qui n'osaient pas affronter le système que les hommes avaient établi. Ces hommes, une fois remplis de ce vent, sont sortis dehors et ils ont commencé à libérer, n'est-ce pas, le souffle de vie qui était en eux. Ils ont commencé à parler. Parce qu'il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez quand un enfant vient au monde. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, Dieu a prévu les choses. De manière à ce que quand un enfant vient au monde, ben, ses poumons, pour la première fois, se remplissent d'air. Voyez? Et du coup, ben, ça le brûle et l'enfant crie, pleure. Et vous ne pouvez pas crier. Vous ne pouvez pas sonner le chauffard. Parce que c'est ça le rôle de l'église, sonner le chauffard. Le corps, la trompette. Vous ne pouvez pas souffler, faire retentir le son du chauffard, si vous n'avez pas au préalable reçu le souffle de Dieu. C'est impossible. Et quand on est rempli tel un ballon par le souffle de Dieu, on ne peut que s'exprimer. Et c'est pour ça que dans Acte 2, il est dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc l'expression que tu vas avoir est l'expression qui émane du souffle de Dieu. C'est-à-dire, là, tu ne peux que parler. Tu ne peux que t'adresser aux hommes et aux femmes qui sont secs, qui ont besoin d'être insoufflés, qui ont besoin de recevoir ce souffle. Et le souffle est indispensable à la vie, la laine, l'Esprit de Dieu. Et Yeshua dit quoi dans Acte 3, dans Jean 3? Il dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Et nous comprenons que le vent du réveil ne peut pas souffler quelque part parce que les hommes le décident. Non. Dieu a réveillé des gens qui n'avaient rien demandé. C'est ça, sa souveraineté. Alléluia. Au nom de Yeshua. Le souffle. Ah. Alléluia. Verset le souffle. Quand Dieu souffle, les démons sortent. Alors qu'on ne s'en occupe même pas. Comme cet esprit qui est là-bas. Là. Il est embêté par le souffle de Dieu. Eh bien, c'est simple. Toi-même, sors. Au nom de Yeshua. Lâche la personne. Lâche-la. C'est un ordre qui t'est donné depuis le trône du Père afin de quitter cette personne, toi qui veux la tuer. Oui. Lâche-la. On te l'a vendue.
quitte là. Et c'est pas fini. Il y a un deuxième démon ici qui m'insulte. On n'a pas encore bien démarré la prédication, l'enseignement. Que, voyez, que les démons sentent le vent de Dieu venir. C'est... Avec Dieu, on ne force pas les choses. Cette personne est entourée par une tribu des démons. Mais aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, c'est son jour. Amenez-moi ce corps-là. Non, ce n'est pas les hommes. Ce sont les démons qui sont en train de la contrôler, cette personne. Ce sont ces démons-là qui vont amener ce corps-là, ici. Là. Ici, au nom de Yeshua. Vous n'allez plus la détruire, c'est fini. Votre règne est fini. Père, merci. Merci pour ta fidélité. Le Seigneur est en train de briser toutes tes chaînes. Amenez ce corps ici, esprit impur, et vous allez lâcher cette personne au nom de Yeshua, le Mashiach, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire. Tu vas pouvoir dormir tranquillement, normalement. Tu vas pouvoir passer des nuits paisibles parce que Yeshua a décidé qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison, de ta délivrance au nom de Yeshua. Ouais. Cette sorcellerie pratiquée contre toi, Dieu la brise aujourd'hui, là, au nom de Yeshua. Vous pensez que le Seigneur peut la libérer, mes amis, là? Qui croit que le Seigneur peut la libérer? Oui, nous le croyons parce qu'il est tout puissant. Libérez-moi ce corps-là, au nom de Yeshua. Cette sorcellerie, ce vaudou pratiqué contre elle, elle vomit toutes ces choses au nom de Yeshua aujourd'hui. Et ne revenez plus jamais. Plus jamais! Jamais, je ne veux pas vous entendre. Je ne veux pas vous entendre. Toi, la Dorlis, là, que je vois, là. Toi, la Dorlis, là. Un Dorlis. Tu prends toutes ces maladies, là, et tu pars avec. Au nom de Yeshua. Fini. Oh, Dieu d'Israël. Oh, Dieu d'Israël. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Il y a une deuxième personne là qu'on a ligotée ici. Elle n'a jamais vu une telle corde. C'est une corde avec des pics. Partout, partout, partout. Et les démons, quand ils tirent comme ça là, il y a deux démons. Il y en a un à gauche, l'autre à droite. Quand ils tirent sur la corde là, tout ça là, tu as des douleurs bizarres là depuis quelques temps là. Ça te pique tout ça là et parfois les médecins ne voient rien. Et là où tu es là, le Seigneur t'aime beaucoup et il pose sa main sur ta vie. Et la corde est brisée maintenant. Sortez d'elle! On acclame Jésus. Oh, il y a une troisième personne là. Quittez ce corps! Lâchez, on acclame Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire! Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Les démons aujourd'hui, là, ils vont vous lâcher. Là. Il y a un vent qui souffle encore là. Il y a un vent là. Il y a un vent. Oh Dieu d'Israël. Oh alléluia. Il y a un vent là. Je vous dis, il y a un vent. Il y a des démons qui demandent la permission de sortir. Là, 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 là. Là, l'esprit de mort te lâche. On la détache. On la détache. On la détache. On la détache. Au nom de... Oh! Là, la nécrologie.
la nécrologie, il y a un esprit de mort qui sort de l'enfer pour prendre cette dame-là qui est au fond là-bas. Et cet esprit est surpris par le Seigneur. Il se demande comment on a pu voir ça. Il l'a enfermé dans un cercueil tout neuf. Là où elle est là. Oh Dieu d'Israël. Oh, il y a quelque chose. Oh. Il y a quelque chose. Ici là. Il y a un vent ici là. Oh. Il y a un vent. Il y a un vent de l'Esprit de Dieu. Il y a un vent de l'Esprit de Dieu. Il y a un vent de l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh. Oh, y a. Jesus. Wow. Là-bas, ça lâche au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh. Ne vous inquiétez pas, c'est très biblique. Dieu libère son peuple. Dieu visite son peuple. Le vent de l'esprit, je vous dis, c'est le message que Dieu a donné pour aujourd'hui là. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Tu es délivré de la mort. Là. Jesus Christ. Amenez-la-moi là. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur de gloire? Oh Dieu d'Israël! Serge, amène-la moi là. Elle, oui, merci ma soeur Guylaine. Waouh! Ça va vomir les démons là. Ça va vomir les démons. Waouh! Oh Dieu. Oh Dieu. Ouais. Ça va sortir. Ça sort. Vous avez vu, ils ont mis un masque sur elle. C'est un esprit de mort, dépêché. Cet esprit travaille avec le démon, le dieu Hadès. Le dieu de mort. Le monde souterrain. Vous voyez, c'est seulement une enveloppe là. Son âme a déjà été mangée, pratiquement. On boit son sang. C'est ce que Dieu me montre là. Je ne l'ai jamais vu cette dame. C'est la première fois que je la vois. Mais c'est un démon qui a la forme d'un vampire. Ça boit son sang. La puissance de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Église, chasse ce démon. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus. À genoux démon et tu sors. Maintenant. Au nom de. Maintenant à genoux et tu sors d'elle. Oh Dieu d'Israël. Oh j'aime la parole. Oh j'aime la parole de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh Dieu. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Oh Seigneur, tes enfants, nous sommes là présents, Seigneur. Et nous voulons expérimenter la Bible, la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, adorer ton nom. Et nous bénissons ton nom pour la délivrance de cette femme. Amenez un sac au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël.
Oh, alléluia. Oh, fini. Fini, amenez un sac là. C'est fini, Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Ouh. Jesus. Amenez-la moi aussi là-bas. On va détacher, le Seigneur va détacher ce lien là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Wow. Jesus. Jesus. À genoux, c'est réglé. Alléluia. Oh, Jésus est magnifique. Jésus est magnifique. Ouh. Jésus, magnifique. Osa, elle aura, Osa, solution. Alléluia. Jésus. C'est réglé. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon roi. C'est réglé. C'est réglé, réglé. Réglé. Qui est comparable à toi, le Tout-Puissant? Personne n'est comme toi. Tu es Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia! Jesus! Wow! Il est trop fort, Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Qui est encouragé par ce que Dieu a accompli, mes amis là? C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Tu ne mourras plus comme ils ont prévu que tu meurs. La sorcellerie est brisée dans ta famille. Au nom de Yeshua. C'est bon. Lève-toi. Oh Seigneur, les gens souffrent. C'est bon, c'est réglé, maman. Tu peux... Alléluia, alléluia. Tous tes enfants, là, on les déterre au nom de Yeshua. Amen. C'est réglé. Dis à ton voisin, c'est réglé. Voilà. C'est réglé pour vous. Vous pouvez rentrer, vous asseoir maintenant. Waouh. Waouh. Mais il est magnifique, le Seigneur Yeshua. Il est trop fort, n'est-ce pas? Il est trop fort, Jésus. Alléluia. Tape là un peu. Là. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique. Le Seigneur est magnifique. Waouh. Vous voyez, le souffle de Dieu, il sort, les démons sont étouffés. Et il demande à partir. Les deux démons qui avaient lié cette sœur-là, si vous, frère, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Waouh. On ne force pas. Parce que Dieu lui-même fait ses affaires. Frères et sœurs, Dieu est en train de souffler. Dieu dit, la parole dit qu'il a fait de ce serviteur un des vents. Hein? C'est écrit, hein? C'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. D'accord? Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né d'en haut. Donc ça veut dire quoi? Celui qui est né d'en haut, celle qui est née d'en haut, Dieu transforme ces personnes en des vents. D'accord? Donc tu dois savoir que tu es un vent. En tant que vent, personne ne peut t'attraper avec sa main. En tant que vent, alléluia, oh. Aucun démon, aucun sataniste, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne peut t'attraper.
enfant céleste peut te contrôler, peut te gérer. Et c'est le Saint-Esprit, son excellence, le Saint-Esprit de Dieu des armées. Frères, sœurs. Voilà pourquoi, pendant des années, on a essayé de t'enfermer dans un bâtiment, dans une dénomination, une fédération. On a oublié que tu étais enfant. Toi-même, tu as oublié que tu étais enfant. Que tu n'es pas appelé à rester assis des années. Et quand le vent céleste a commencé à souffler sur les nations, tels les quatre vents des cieux qui ont fait irruption dans Daniel 7, quand le vent de Dieu a commencé à souffler, tu as reconnu que ta nature était, n'est-ce pas, alléluia, une nature céleste. Tu as reconnu que tu n'étais pas terrestre. Tu as reconnu. Oh, il y a quelque chose ici. Et en tant que vent, tu ne peux pas te taire. Pierre a dit, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous mettez, vous gonflez un ballon, au bout de quelques heures, le ballon se dégonfle. Parce que le vent doit s'échapper. Vous ne pouvez pas enfermer le vent. Toutes les prisons dans lesquelles vous êtes enfermés sont en train de s'ébranler. Pierre, nous, oh alléluia. Frère, écoutez, je vais parler selon que Dieu me conduit, comme d'habitude. Nous parlons du vent du réveil, du vent de Dieu, de l'esprit de Dieu. On prend Pierre, on l'enferme en prison. Ils ont oublié que Pierre était en vent. Il est dit, frères et sœurs, alléluia, la porte la plus importante s'est ouverte d'elle-même. Personne ne va, frère, celui qui t'a enfermé, c'est pas lui qui va ouvrir la porte. Je veux que tu saches une chose, tu vas sortir parce que tu es du vent. Vous ne voyez pas qu'actuellement dans le monde entier, les enfants de Dieu sortent. 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 Il se passe des choses aujourd'hui. Il va se passer des choses demain. Il va se passer des choses aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne réalisez pas que, mes amis, que Dieu rassemble ses enfants, que Dieu rassemble ses élus. Vous ne voyez pas que dans le monde entier, la convocation des aigles. La convocation des aigles. Tu es un aigle qui doit prendre son envol et le vent commence à souffler. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il se passe quelque chose. Je vous assure, il se passe quelque chose. Prophète, prophétesse, évangéliste, prédicateur, messager, messagère, sentinelle. Ceux qui ont le don de miracles, de guérison, par la langue, prophétie. Voici le vent. Voici l'eau. Il est là. Il est là. Voici l'esprit. Voici l'esprit. Voici l'esprit de feu. L'esprit de réveil. Voici l'esprit de guérison, de délivrance, de miracle. Il se passe quelque chose. Toi qui as reçu le don de chanter, toi qui as reçu le don de louer Dieu par les instruments, Dieu dit, mon fils, je te convoque aujourd'hui, car j'ai une mission pour toi. Regardez ce vent. Regardez ce vent. Frères et sœurs des nations, le réveil arrive. France, prépare-toi. Europe, prépare-toi. Afrique, prépare-toi. Côte d'Ivoire, le Mali, le Bangui, la Centrafrique. Je mettrai fin à la guerre en Centrafrique
Prépare-toi, mon peuple. Oh Dieu d'Israël. Les îles Martinique, Guadeloupe, la Guyane, l'île de la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, Haïti, voici le vent de Dieu. Les provinces françaises, le Danemark, la Suède, la Suisse, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, toute l'Europe. Vous irez dans les nations. Vous irez au Canada, aux États-Unis. Vous irez dans les nations, mes enfants, pour apporter ce feu du réveil, ce vent du réveil. Aucun sorcier ne tiendra devant mon peuple. Aucune sorcellerie ne tiendra devant toi. Jesus. Jesus. Les visions qu'il vous a données, les songes que Dieu vous a donnés, le temps de l'accomplissement de ces choses est arrivé. Le temps de l'accomplissement de ces choses est arrivé. Toi qui es resté des années chez toi à la maison, l'heure de te lever maintenant est arrivée. L'heure des aigles, le temps des aigles est arrivé. Lyon, Nantes, Marseille, Nice, Bordeaux, Lille, Dunkerque, toutes ces villes seront visitées par le vent de l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, vous verrez la différence désormais entre mes enfants et les enfants de ce siècle. Ce vent qui souffle brise la puissance de la maladie. Les cancéreux seront guéris facilement. Les sidéens seront guéris facilement. Les sourds entendront, les aveugles verront. Les morts seront ramenés à la vie. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Dieu s'est levé. Il est présent ce soir encore. Le roi des nations est présent. Le roi des rois est parmi nous, frères. Il est là. Il est présent. Il est présent. Oh, alléluia. Alléluia. Chante-le. Le Seigneur Tout-Puissant, roi de rois. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant, roi des rois. Oh, alléluia. Tu es saint. Le Seigneur. Oh. Digne. Digne l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Jésus. Oh. Le Seigneur. Sans tout,
Father, we love you. We need you, Lord. Il est là, il est là, il est là pour toi. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a appelé. Parce qu'il t'a choisi. Il est en train de rattraper tous ses enfants. Car la nuit est avancée. Le jour approche. Le jour du départ. Le grand départ vers notre patrie céleste. Voilà pourquoi les prophètes de ce temps dernier, c'est-à-dire les enfants de Dieu, reçoivent le sceau de Dieu, le sceau de l'Esprit de Dieu. Dieu confirme le sceau qu'il a mis sur toi. Dieu confirme le sceau qu'il a imposé sur toi. Et tu partiras avec tes enfants. Tu partiras avec tes parents, avec ta famille. Oui, nous allons monter à la dernière trompette. Nous allons partir vers les cieux, à la rencontre du roi des nations. Ah, oh Jésus de Nazareth. Il va essuyer nos larmes. Combattant jusqu'à la fin. Guerrier jusqu'à la fin. Oh oui, guerrière jusqu'à la fin. Solitaire jusqu'à la fin. Intercesseur, sentinelle, femme de prière, homme de prière. Persévérant jusqu'à la fin. Combattant le bon combat jusqu'à la fin des nations. La récompense nous attend. Les couronnes nous attendent. Bannis la peur de la mort. Bannis la peur de la maladie. Toi, mon peuple. C'est le dernier vent qui souffle. Il fait de toi un vent insaisissable. On ne peut pas te saisir. On ne peut plus te cerner. On ne peut plus te contrôler. On ne peut plus t'enfermer. On ne peut plus te faire taire. On ne peut plus te demander de t'asseoir. C'est fini. Fini, fini. Oh Dieu. Et partout où Dieu t'enverra, tu amèneras ce vent. Il y aura des tremblements spirituels. Dans les quartiers où Dieu t'enverra, dans ta famille, aucun sorcier ne va résister devant ce vent de Dieu. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Et c'est le vent de l'Esprit qui va nous amener vers le ciel, l'heure de l'enlèvement. Le vent de l'Esprit va te saisir, la nuée de Dieu, et tu seras transporté. 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 Toi qui aimes Dieu, écoute bien ce que Dieu te dit. Tu ne comprends pas ce qui se passe là aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, quand tu vas commencer à ouvrir ta bouche, quand tu vas commencer à ouvrir ta bouche, tu seras surpris de voir comment le feu va tomber sur les gens qui sont devant toi. Comme Pierre dans Actes 10. Quand tu vas chanter les chants nouveaux que Dieu te donne, tu vas voir comment les gens vont commencer à se repentir. On dira de toi que tu es un magicien. Non, ce n'est pas la magie. Notre Dieu ordonne que tu sois puissant. Jesus Christ.
Tu vas aller voir ce médecin pour lui parler. L'onction va tomber sur lui. Tu vas faire sa délivrance devant tout le monde. Le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Seigneur, merci de visiter les nations. Au nom de Yeshua. Il est assis sur son trône, très élevé. Oh! Oui, des prisonniers sont libérés. Libérés de la prison. Libérés. Libérés. Allez dans les gares. Allez libérer les gens. Allez dans les trains. Allez libérer les gens. Allez dans les bus, dans les métros. Des gens viendront vous voir pour vous demander l'imposition des mains. Ils vous diront priez pour nous. Et vous allez prier pour eux dehors. Dehors. Dieu. Waouh. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. On peut prendre place. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'esprit est pressé de tomber sur nous? Il n'y a pas besoin qu'on t'impose les mains. Non, non, pas du tout. Dieu d'Israël. Frères, sœurs. Je vois des tourbillons de l'esprit. Le Seigneur dit ceci. Écoutez, par rapport à ce vent, je n'avais même pas prévu de parler de ces choses, comme d'habitude. Dieu prend Ézéchiel, il l'amène dans une vallée. Ézéchiel 37. Remplie d'ossements desséchés. Cette vallée représentait Israël et aujourd'hui aussi elle représente, on peut voir l'état de nos assemblées. Dans lesquelles il y a des vrais enfants de Dieu qui cherchent sa face. Qui cherchent Dieu. Qui soupirent après autre chose. La main de Yahweh fut sur moi et Yahweh me transporta par son esprit. Transporta par son esprit. C'est-à-dire, Ézéchiel était dans le vent de l'esprit de Dieu. Il était dans ce vent. Son esprit, emporté par le vent de Dieu. Il me déposa dans le milieu
d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Yahweh, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Il est temps de parler. Il est temps de proclamer le message de la croix, de la sanctification, la crainte de Dieu, la haine du péché. Il est temps de dénoncer l'évangile de la prospérité. Il est temps de dénoncer la pratique de la dîme. Il est temps pour vous de vous lever et de le faire. Il est temps de dénoncer les concerts payants. Il est temps de dénoncer, mes amis, la vente de CD et de Bible. Il est temps. Il est temps. Il faut prophétiser. C'est-à-dire parler sous l'inspiration de Dieu. Il est temps de dénoncer la suprématie des pasteurs dans les bâtiments d'église. Il est temps de dénoncer les dénominations. Il est temps de prophétiser. Car les ossements desséchés, ces chrétiens morts, ont besoin d'entendre ce message que Dieu vous a donné. Si vous ne parlez pas, qui va entendre? S'il n'y a pas de prédicateur, comment les gens vont-ils se convertir? Alors fils de l'homme, fils, fille de Yahweh, prophétisez, parlez. Ne vous arrêtez plus. Ouvrez des blogs, des pages, internet. Diffusez la parole. Dites au monde entier que Jésus est en train de revenir. Que bientôt c'est l'enlèvement de l'église. Prophétisez-vous les chantres. Ah, le maître arrive. Convoquez les gens aux noces. Invitez les gens aux noces de l'agneau. Car son épouse se prépare. Jeunesse, jeunes gens, jeunes filles, vous guerriers et guerrières de Yahweh, il vous a positionné. Vous avez reçu sa parole. Vous avez avalé les rouleaux. Vous avez reçu des songes et des visions. Vous avez reçu des paroles prophétiques. Alors, parlez aux ossements desséchés. Prophétisez-leur la parole que Dieu vous a communiquée. Confessez le nom de Yeshua. Ne regardez pas à l'apparence des gens. Qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, marrons, chocolat, riches, pauvres, petits, esclaves, riches, prophétisez. Qu'ils soient pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophétisez-leur la parole. Mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Toi parle et Dieu fera le reste. Toi sème la semence et Dieu fera le reste. Pendant des années, vous avez couru après les hommes. Il est temps maintenant que vous diffusiez la parole que vous avez reçue. Il est temps maintenant d'aller annoncer ce que vous avez reçu. Et je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Vous allez parler parce que vous avez reçu l'ordre de Dieu. Ce n'est pas un homme qui vous a mandaté. Ce n'est pas un pasteur qui vous a mandaté. C'est le ciel qui vous a mandaté. C'est Adonai qui vous a mandaté. Personne ne levera sa main sur vous. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne pourront pas vous détruire. Jamais, jamais, jamais. Oh. Je vois une armée debout. Je vois ces hommes et ces femmes enfermés en prison dans les bâtiments d'église depuis des années. Comme Pierre, Dieu a envoyé des messagers comme cet ange qui était venu. Et ces hommes et ces femmes ont commencé à remettre leurs manteaux, à prendre leurs chaussures, à mettre leur ceinture de la vérité. Et je les ai vus se lever. Et je vois des portes de Babylone, portes de la prison qui se s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Et je vois ces messagers, ces messagères qui suivent l'ange, qui suivent Adonai. Prophétisez, parlez, annoncez, avertissez vos enfants, vos parents. Et Ézéchiel dit,
Je dis à ces ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Shma, 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 shma. Écoutez et comprenez la parole de Dieu. Shma Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, il n'y a pas d'autre Dieu que Adonai. Écoute Israël, il n'y a pas d'autre pasteur que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autres apôtres que Jésus, l'apôtre par excellence. Il n'y a pas d'autre docteur que le docteur de docteurs, le rabbi, le maître, Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre agneau que l'agneau de Dieu. Il n'y a pas d'autre lion que le lion de la tribu de Juda. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin qui est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Bouddha ni Mohamed, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre roi que le roi des nations, le roi des rois. Sur sa cuisse est écrit un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est la beauté personnifiée. Il est la beauté par excellence. Il a un sourire incomparable. Si vous voyez la couleur de ses cheveux, alléluia. Regardez ses yeux, comment ils sont beaux. Regardez ses dents. Regardez sa démarche. Jésus est son nom. Présentez-leur Jésus. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Il est présent. Il est présent. Jean l'avait tellement présenté à ses disciples que ces derniers ont dû quitter Jean pour suivre Jésus. La femme samaritaine l'avait tellement bien présenté à ses confrères, à ses amis, aux habitants de sa ville, que quand ces derniers sont venus devant Yeshua, ils diront à cette femme, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons. C'est parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Il est temps que toi-même tu le rencontres. Il est temps que toi-même tu l'écoutes. Il est temps que tes propres oreilles l'entendent. Que tes propres yeux le voient. Il n'est pas seulement le Dieu de ton pasteur. D'ailleurs, arrêtez de dire. Oui, c'est le Dieu de mon pasteur. Oui, c'est le Dieu de Chora, le Dieu d'un tel idolâtre. Je vous dis une chose. Abraham n'a jamais été dire aux gens, appelez mon Dieu le Dieu d'Abraham. C'est Dieu lui-même qui a dit que je suis le Dieu d'Abraham. Vous comprenez? Après qu'il soit mort. Et on n'a pas vu Moïse dire aux gens, dites le Dieu de Moïse. Vous associez vos noms au nom le plus glorieux. Qui êtes-vous? Dieu m'a dit cette semaine, prends ton téléphone, appelle ce pasteur à Kinshasa qui commence à demander à tout le monde d'appeler, de dire le Dieu de tel pasteur m'a délivré. Vous êtes idolâtre, vous vous destinez vous-même à l'enfer. Un seul nom nous est donné. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement que le nom de Yeshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez d'associer des noms d'hommes à ce nom le plus glorieux. Arrêtez. Dieu m'a dit, voilà pourquoi je frappe la RDC. Trop d'idolâtres. Ce sont des chrétiens qui ont vendu cette nation. Le Dieu de mon pasteur, le Dieu d'un tel. Je vais faire une émission lundi, si Dieu permet, pour dénoncer ces choses-là. Idolâtres. Paul n'a jamais demandé cela. Paul dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce au nom de Céphas? Son nom est saint.
annoncé ma parole. Vous êtes guéri maintenant. On vous a annoncé la parole. On vous a annoncé la vérité. Maintenant, c'est à vous d'aller à droite, à gauche. Partout dans le monde entier. Je vous le donne, je suis un homme. Maintenant, vous allez aller à droite, à gauche. Je vous le dis maintenant, vous allez y aller. Ailleurs, vous allez ouvrir vos bouches. Vous allez proclamer mon nom. Vous allez aller avoir des miracles, des prodiges, des guérisons dans le monde. Alléluia, mon père, je reviens bientôt. Alléluia, je vous dis maintenant, vous allez y aller. Afin que mon père, Alléluia, soit puissant. Afin que quand je reviens, je puisse, Alléluia, les emporter avec moi. Il est temps. Il est temps d'annoncer la parole. Alléluia. Fils de l'homme prophétise. Pendant qu'il prophétisait, les eaux ont commencé à se rapprocher. Vous n'avez pas vu qu'actuellement Dieu rapproche ses enfants? Dieu rapproche les enfants de Dieu. Satan voulait les diviser, Dieu les rapproche de nouveau. Dans le monde entier, c'est l'action de l'esprit en ce moment, parce qu'on n'a plus de temps. C'est l'action de l'esprit. Les vrais enfants de Dieu se rassemblent. C'est le rassemblement des élus. Vous savez, à chaque fois que la trompette retentissait en Israël, c'était pour rassembler les élus. Dieu donne des songes actuellement aux gens, des visions. Il rassemble ses élus. Et des inconvertis qui ne croyaient pas en Dieu, des athées, ceux dont les noms étaient dans le livre de vie, commencent à se tourner vers le Seigneur, à se poser des bonnes questions. Et pendant qu'il prophétisait, ses eaux se rapprochaient. Et il y a eu plusieurs actions. Des nerfs ont commencé à pousser, à repousser. De la chair, de la peau. Oh Dieu, pendant que la vraie parole est annoncée, la parole qui est créatrice, il y a des choses qui se créent en nous. Une passion pour Jésus, un amour imputrescible, un amour tellement fort pour Jésus de Nazareth, pour la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et ensuite, il n'y avait pas l'esprit. Et Dieu dit, parle à l'esprit. Que l'esprit souffle les quatre vents des cieux. Pourquoi les quatre vents? Parce que quand Dieu souffle, il n'y a pas un seul endroit qui reste sans être touché. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Quand le vent souffle, tous les continents sont visités. C'est pour cela, pour ton pays d'origine, Dieu va le visiter. Pour ton île, Dieu va la visiter. Pour ta nation, Dieu va la visiter. Pour ta ville, ton quartier. Dieu dit, c'est toi que j'ai établi comme sentinelle. Je veux passer par toi. Ne t'arrête plus sur les démons, sur le combat spirituel. Ce combat a déjà été remporté. Tu dois vivre dans la victoire en menant une vie de sainteté. Ne cherche plus un pasteur ou une église. C'est la relation avec ton Père céleste. Ne cherche pas un Père spirituel, tu as déjà un Père spirituel. Le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, quitte-la au nom de Jésus. Amenez-la ici. On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Ô Dieu. Oh, il mérite vraiment les acclamations, Jésus de Nazareth, frère. Waouh. Dieu est trop fort. Il a dit, parlez à l'esprit. Oui, on peut parler au Saint-Esprit. Et l'esprit a soufflé. Il y a eu un bruit, nous dit la parole. Un bruit. Là où l'esprit souffle, les gens ne se taisent pas. Là où l'esprit souffle, il n'y a plus de timidité. Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné.
Qui peut se taire quand Dieu le remplit? Qui peut oublier? Qui peut, mes amis, avoir peur de parler, de chanter quand Dieu lui dit, lève-toi et chante? Tu prendras ta guitare, tu vas aller chanter ici et là, et tu verras là, des conversions qui vont te surprendre. Oh Dieu! Oh Dieu l'aime, cette jeune fille, Dieu l'aime. C'est son jour. Quitte-la. Au nom de Yeshua. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Maintenant. Au nom de Yeshua. Ici. Ici, démon. Obligé. Ici. Maintenant. Au nom de Yeshua. Lâche ma soeur. Quitte son corps. Voilà. À genoux. Maintenant. Jésus de Nazareth. Tu vas lâcher ma soeur. Tu ne vas plus posséder sa vie. Tu ne vas plus posséder son âme. Aujourd'hui, femme, c'est ton jour. Oh Dieu de gloire. Aidez-la, portez-la ici. Et il a parlé à l'esprit. Je vous dis une chose. L'esprit ne peut pas souffler là où la parole n'est pas prophétisée. Là où la vérité n'est pas annoncée. Non. Le Saint-Esprit. Vous avez vu dans Genèse 1, Dieu n'avait pas encore parlé que l'Esprit se mouvait déjà. Et vous savez ce qu'il attendait? Il attendait que le Père parle. Et quand la parole est sortie seulement, l'Esprit l'a saisi. Et il y a eu quoi? Il y a eu la création, frères et sœurs. Des guérisons s'opèrent là où la vérité est proclamée. Là où le péché est dénoncé. Là où le diable est exposé par la parole de Dieu. Vous avez vu là-bas? On acclame encore le Seigneur. Quelqu'un d'autre? Vous avez vu? C'est pas moi. Les démons eux-mêmes sortent, frères et sœurs. Oh, il est magnifique, Jésus. Amenez-moi cette sœur-là. Waouh. Amenez-moi cette... Amenez-le-moi ici, là. Mais amenez-le. Oui, je suis tout excité, là, mes amis. Elle veut confesser. Elle veut confesser. On acclame Jésus à Nazareth. Alléluia. De Jésus, je veux confesser la prostitution. La prostitution, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. On acclame Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Oh, alléluia. Jésus. Convoitise, pour la convoitise, pour la convoitise. La prostitution, la convoitise. Frère, vous l'êtes. Pardonne-moi. Elle va mourir. Ah non. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Waouh. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Moi je ne comprends rien. Ah ben quand l'esprit agit, on ne comprend rien. Je suis surpris. Choses depuis quelque temps ici et dans les maisons des gens, moi-même je ne comprends rien. Parfois je vais toucher, il me dit c'est moi qui fais, laisse. C'est là, c'est lui-même qui s'en occupe. Laisse-la tranquille, Chora. Chora, laisse-la. Chora, laisse-la. C'est quoi ton nom? Chora, laisse-la. Ton nom? Je suis son père. Je suis son père. Ah. Jésus a dit, tout est accompli. Il a dit, allez et libérez mon peuple. Au nom de... Oh. C'est faux. Elle m'appartient.
elle m'appartient. J'ai vidé sa tête. J'ai vidé sa tête. J'ai vidé sa tête. Cette trompe-là, elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle en a un seul. C'est ce que tu dis. Ça suffit. Maintenant, avec la parole de Dieu, je ferme ta bouche. Maintenant. Au nom de Jésus. Fini. La bouche est fermée. On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh. Oh. Il est bon, Jésus. Alléluia. Regardez-moi ce serpent là. Vous avez ce serpent ici là? Oh. Au nom de Jésus. Qui peut la délivrer? Est-ce que vous pouvez la délivrer? Est-ce que moi je peux? Donnez-moi le nom de celui qui peut le délivrer. Qui? Même parler avec son mari. Elle ne peut même parler avec son mari parce que je la possède. Je la possède. Marie de nuit, vous avez vu? Tiens, elle ne peut pas. Elle pleure, elle souffre, elle prie, mais rien à faire. Rien à faire parce que je la contrôle. Je la contrôle. Je la contrôle. Bon, maintenant, nous voulons expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Tais-toi. Non, Chora, qui t'a envoyé même? Hein? Qui t'a envoyé? C'est quoi cet homme-là? Toujours Jésus. C'est quoi? Jésus. Le roi des rois. Jésus. Le Dieu puissant. Jésus. Alléluia. C'est un esprit humain. Jésus là, et puis ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi non? Non mais arrêtez-moi vos histoires de Jésus. Non mais tu vois, Jésus ici, elle parle de Jésus là, elle parle de Jésus là, et puis il y a quoi? Ok, maintenant asseyez-vous. Ça c'est un esprit humain. Il a dit c'est son père. Oh Dieu d'Israël. Frères et sœurs, qui est descendu ici? Ok, on est tous d'accord, hein? Voilà. Bon. Qui croit que la parole de Dieu est vraie? Ok. Seigneur, cette femme. Je suis son père. Tais-toi. Je ne suis pas son père biologique, mais je suis son père. Parce que je l'ai adopté. Je l'ai reconnu. Alors j'ai l'autorité sur sa vie. Alors ça suffit, Chora. Hein? Elle m'appartient. Hein? Tais-toi là, Jésus. Maintenant. Jesus. Oh. Oh, Jesus. Son cou là, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'elle a mal. Oh. 4 mois qu'elle a mal au cou. Elle a fait. Je ferme cette bouche que tu as au nom de Jésus. Jesus. Levez nos mains vers le ciel comme ça là. Ma soeur, Jésus-Christ que nous servons, Jésus-Christ que je sers, maintenant, le temps de ta délivrance arrive. Aujourd'hui, je le déclare, je le prophétise. Maintenant. Voilà. Allez sortez au nom de Dieu. Allez au nom de Yeshua. Prions frères et sœurs. Maintenant. Sortez tous. Prions. Ça sort. Voilà. Allez go. Sortez, allez go. Maintenant. Au nom de. Chassons-les au nom de Yeshua. Une légion. Ça sort. Ma soeur, aujourd'hui c'est ton jour. Tu as assez souffert. Maintenant. Go. Rafika, son ventre.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Dieu? Jésus. Qui guérit? Jésus. Qui sauve? Jésus. Qui libère? Jésus. Qui revient? Jésus. Qui est la lumière? Jésus. Le chemin? Jésus. La vérité? Jésus. La vie? Jésus. C'est un jour, ma soeur, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ma soeur, tu libères le pardon. Tu libères le pardon, ma soeur, dans ton cœur. Et il s'en va maintenant. Allez, go. Allez, sortez. Au nom de Jésus. Ça sort, là. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Tu libères le pardon, ma soeur. Et tout s'en va. Maintenant, au nom de Jésus. Voilà. Pardonne-moi, car j'ai un cœur Dieu. J'ai un cœur Dieu. Jesus. On peut acclamer Jésus. Voilà. C'est le manque de pardon qui est bloqué. Là, ça part, là, ça vomit là. Voilà. Oh. On va traiter le cas de ce serpent là. Ah ah. Tu es mon père. Ah. Tu es mon papa. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Elle adore Jésus, c'est magnifique. On acclame Jésus de Nazareth. Eh, moi je veux prier mon Dieu. Qui te donne des jumeaux là? Au nom de Yeshua. Amen. Que tu aies des jumeaux au nom de Yeshua. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Bon. Elle a un boa. Un boa. Un boa. Ah, c'est un boa familial. Un boa familial. Mm-hmm. Maintenant, ne la touchez plus. Voilà. On met le panne là, bien comme il faut. Là. Vous avez vu le boa là? C'est ce que Dieu me montre. Vous savez ce qui s'est passé? Un boa familial travaille avec cette femme. Elle a rencontré un homme qui a pratiqué des choses sur elle. Et cet homme qui est mystique, travaille avec les sorciers de sa famille. Voilà. Vous avez vu? Mm-hmm. Quand Dieu donne des précisions comme ça, les démons sont fatigués, ils sont désarmés. À genoux, maintenant. À genoux. Je dis à genoux, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on ne peut plus te toucher. À genoux. Tu es obligé. Allez, à genoux. À genoux, au nom de Yeshua. C'est un ordre que je te donne. Maintenant. À genoux, tu es obligé. Et tu le sais. Maintenant. Voilà. Voilà. À genoux. Toute la puissance du vaudou est brisée. Lâchez ses mains là. Voilà, c'est bon. À genoux, maintenant. À genoux, je dis au nom de Yeshua. Maintenant. Elle va se mettre à genoux. Là. C'est obligé. La parole de Dieu est puissante. Je vous dis. Ce n'est pas nous qui chassons les démons, c'est la parole. Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui les chasse. À genoux, maintenant. Maintenant, je dis au nom de Yeshua. C'est un ordre. Parmi les nouveaux, là, y a-t-il un Simon ici? La Simon? C'est qui? Ici, présent. Il est là? Il est où, Simon? Il faut l'appeler. On a fait une cérémonie avec des bougies tout autour de lui. On veut le tuer dans un mois. Il faut l'amener. Je ne l'ai jamais vu. Hein? Il faut qu'il vienne. Pendant que ce démon sortait, là, le Seigneur me parle de Simon, là, qu'il faut absolument... délivrer le nom de Yeshua. C'est le mari de la sœur là. Vous avez vu? C'est ton petit frère. Voyez? Il y a un esprit de mort. Vous savez, moi, je ne le connais pas. Je ne les ai jamais vus. Voilà. On acclame le Seigneur. Vraiment, là, c'est magnifique. Quand elle va se mettre à genoux, tous les démons là, vont sortir le nom de Yeshua. Plus on la touche, plus on lui donne, plus on l'entête ce démon là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mmh.
Un démon de mort a été dépêché pour détruire votre foyer, votre famille. Et on a mis des bougies tout autour de toi à cause de la jalousie. Je ne sais pas ce que tu fais comme travail, mais il y a beaucoup de jalousie. Et donc, des gens ont fait une cérémonie mystique. C'est une cérémonie de la franc-maçonnerie, la rose-croix, tout ça avec un quart mélangé de satanistes. Ils ont mis une espèce de pentacle là, tout ça. Ils ont mis ton nom dessus, ton prénom. Et ils veulent, donc des flèches ont atteint cette femme. Et dans un mois, là, ils veulent vraiment vous mettre KO, vous détruire complètement. Et le Seigneur vous dit, parce que vous avez demandé de l'aide au Seigneur, et il a permis aussi que vous passiez par ici, aujourd'hui, tous ces esprits-là vous quittent maintenant. Au nom de Yeshua. Tous ces démons vous quittent, la mort vous quitte au nom de Yeshua. Ça sort de vos vies, de votre famille. Et je vois l'esprit, le vent de l'esprit de Dieu qui vient souffler sur ces bougies. Et toutes ces bougies se sont éteintes. Et un ange a écrit sur le pentacle la victoire au nom de Yeshua. Jesus! Oh, alléluia! Oh, Jesus! 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 Allez, sortez! Maintenant! Maintenant! Oh, alléluia! Jesus! Jesus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini, c'est réglé. La puissance de Dieu, maintenant. Voilà. Voilà. Ok. Dis à ton voisin, Dieu est magnifique. Posez-moi la question, pourquoi ça résiste comme ça? J'ai entendu un des démons qui en elle dire, mais ses cheveux là, les antennes. Ah, on a des ciseaux. Hein? Voilà. Vas-y, dis, vous allez nous chasser là, tout ça là, mais les cheveux, c'est à nous. Ben. Le Seigneur a dit dans Jean 14, 33, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Elle est venue avec qui? Ok. C'est ta femme? Hein? Hein? C'est ta femme? Ton ami? Non, je veux dire, vous êtes ensemble. Vous sortez ensemble. Ok, c'est ça. On acclame le Seigneur. Tout ça, c'est des choses à régler. On est parti chercher les ciseaux. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Le Seigneur me donne un nom de famille ici, congolais. Bungu. Bungu. Bungu, c'est toi? Viens ici, on acclame le Seigneur. Les sœurs, on va enlever ses cheveux. Ensuite, comme d'habitude. Ah, vous voyez comment elle crie là? Ah oui, les démons ne veulent pas. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia! Waouh! Mais Jésus est trop fort. Hein? Waouh! C'est toi, Mbungu. Hein? Regardez-moi comment ça crie là. Ya, 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 ya. Qui réalise que Jésus est trop fort? Waouh! Ya, 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 ya. Ben vous allez tous partir avec vos cheveux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a quelque chose là. Au nom de Yeshua.
il y a quelque chose ici là. Ici là, il y a quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe ici là. Mm-hmm. Vous entendez là-bas? Bongo, j'arrive. Le démon dit laisse. Laisse. Je ne sais pas où vous allez ramasser ces cheveux, vous allez les acheter. Mais en tout cas, mes amis. Alléluia. Il y a un appel sur ta vie. Tu as eu des rapports intimes avec un crocodile. Cette femme est habitée par un crocodile. Tu ne te rendais même pas compte. Pour vider ta vie intérieure, pour te vider, afin de provoquer un cancer. C'est ça l'objectif. Et il est important que tout ce qui a trait au péché dans ta vie soit réglé le plus tôt possible. Parce qu'ils ont dépêché ce démon de cancer. Il a des plaies partout, comme si c'était la lèpre. C'est pour te tuer par un cancer. Et cette femme est très en colère, très très en colère. Elle est déterminée à te détruire, elle n'est pas seule. Et c'est pour cela que Dieu, dans son amour, a donné son nom de famille, ton nom de famille, pour te dire devant tout le monde que tu dois entendre cette parole. Tout ce qu'il y a comme péché dans ta vie, il faut régler ça le plus rapidement possible. Tout ça là. Parce que ce démon est là. Il n'a pas réussi à rentrer ici. Il est dehors. Il te suit partout. C'est la grâce que Dieu te protège encore. Là. C'est la grâce de Dieu. Donc, tu rentres avec cette parole. Tu veilles au nom de Yeshua. Amen. On ne peut pas laisser parce qu'il faut que tu partes. Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vrai ou faux? Il faut que ça parte au nom de Yeshua. Ah oui? Et dit, mais il va aller où? Je l'entends dans l'esprit, il va aller où? Mais avant de venir dans ce corps, tu étais où? Ah, vous entendez? Ah, il dit où? Je l'ai entendu dans l'esprit, là il confirme où? Mais le problème c'est... Bon, on va lui donner un endroit. Vous voulez choisir un endroit? Mais il y a plusieurs lieux arides, il faut préciser. Moi, je propose le dessin de Sarah. Au nom de Jésus. Dans le désert de Sarah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est réglé. Là, c'est... on l'a proclamé. Quand ça va sortir, là. Là-bas. Ça va traverser la mer, là-bas, ou l'océan, l'Atlantique, je ne sais pas quoi, là. Ça va. Ne vous inquiétez pas si vous traversez le désert en avion, là. Vous êtes protégés par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Elle... C'est une vieille dame. Une vieille dame. Quand je m'approchais d'elle, cette vieille dame, avec sa canne, avait peur. Cette vieille dame, sorcière, mange son intérieur, veut manger les œufs, les enfants, veut tout détruire au nom de Yeshua. Mais aujourd'hui, cette jeune fille, de jeune femme, Dieu la délivre. Elle sera totalement heureuse dans son foyer. Au nom de Yeshua, Dieu te donne beaucoup d'enfants. Au nom de Yeshua, Dieu te guérit totalement aujourd'hui. Au nom de Yeshua, ta prison est finie aujourd'hui. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, fini. Il y a une personne ici qui se pique pratiquement toutes les semaines. Tous les 3 jours pratiquement là aussi, là, toutes les semaines tu te piques. Tu veux plus de piqûres là? Ok, toutes les semaines prise de sang. Mais il y a une autre personne qui se pique par rapport au diabète. Des piqûres, je parle des piqûres. Hein? Ouais. Des piqûres pour voir le... Oh, sors d'elle! Mon Jésus. Quitte! C'est un démon qui est là. Je dis sors. Regardez-la bien comme il faut. Quand elle va partir voir ce médecin, le médecin va crier « Oh !»
Le démon de cancer, de diabète, là, s'en va. Ça sort. Quitte-la, maintenant, au nom de Jésus. Sortez le nom de Yeshua. Au nom de Jésus de Nazareth, on acclame le Seigneur de gloire, alléluia. Oh Dieu de gloire. Frère, c'est guéri, c'est fini. Je vous dis, c'est fini. C'est fini. Regardez-moi ça. Là. Vous voyez? Elle va vomir cette chose-là qui est là. Tous les jours, piqûre. Venez. Je vous regardais tout à l'heure, je voyais cette mort-là qui rôde autour de vous. Là. Tous les jours. Deux par jour. Deux fois par jour. Oh! Venez ici là, rapidement. Vous croyez que le Seigneur peut le guérir là? Qui le croit, frères et sœurs? Oh, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Il y a quelqu'un ici, ses poumons fonctionnent à 50%. C'est toi? 50% on t'a dit? Est-ce qu'on t'a dit réellement 50%? Moins de 50%. Viens. Le Seigneur me dit, oh, alléluia. Dieu est ici, là, mes amis. Là. Dieu est ici. C'est fini. Je vous dis, le Dieu que je sers, là, c'est fini. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est fini. Les reins, là, tout ça, là, restauré. Au nom de Yeshua, le dos, tout ça, là. Un package que Dieu vous a donné. Vous n'avez même pas besoin de parler, c'est réglé. Vous allez témoigner ici la gloire de Dieu. C'est réglé. Ah bon, c'est bon. Le Seigneur me demande de lui poser la question. Tu veux des poumons d'un enfant de quel âge? Les poumons d'une dame, d'une jeune dame. Parce que j'ai deux enfants. Donc. Mais quel âge? De 16 ans et 8 ans. Les poumons de mon fils. Alléluia. De l'âge de son fils. Frère, une femme était venue ici, ses poumons, c'était son foie qui était abîmé. Hein? Elle avait un sachet rempli de médicaments, là, au moins 2 ou 3 kilos. Là. Médicaments aussi. Vous pensez que le Seigneur peut vous guérir? Pardon? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous guérir? Oui. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Ah, lâchez-la. Allez. Lâche ce poumon que tu manges là. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ça tousse. Regardez-moi ça. Donnez-lui un sac. Tu te piques tous les jours, diabète. Donnez-lui un sac, ça sort là, de ce poumon là. C'est un démon qui est assis sur ses poumons. Qui compresse ses poumons. Quand elle va voir le médecin va dire, mais vos poumons là, ça dépasse de 100%. C'est comment? Oh, vous allez voir, c'est comme ça là. Le démon, il sort de ses poumons. Vous voyez comment Dieu est grand, frère et soeur. Tiens, toi, c'est gratuit. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Ça va pour cette soeur-là. Ça va pour toi. Cet enfant va chanter pour le Seigneur. Cet enfant servira Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Le Seigneur me dit, ma fille, j'ai entendu tes pleurs, tes larmes. Je l'ai guéri. Je marcherai avec cet enfant au nom de Yeshua. J'ai entendu tes pleurs, tes larmes. Au nom de Yeshua. Et tu vas faire beaucoup d'assemblées pour aller témoigner cette guérison miraculeuse au nom de Yeshua de Nazareth. Cet enfant va recouvrer toute sa vue. Oh, alléluia, Jesus Christ. Alléluia, Jesus Christ. Oh. Non, mais le Seigneur est trop fort, hein. Il est trop fort, Jésus de Nazareth. Les cheveux sont partis. Maintenant, vous allez partir au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, les sœurs, c'est une femme. Imposez-lui les mains partout. Priez pour elle. Et vous allez voir, c'est bon, c'est réglé. Cette femme qui a souffert. Maintenant, quand tu vas sortir de ta délivrance, plus de rapports sexuels avant le mariage. Ça sort là. Jesus. Levons nos mains, prions pour elle. Oh femme, voici ta guérison. Tu as assez souffert. Dieu t'aime. Voilà. Au nom de Yeshua. Voilà. Ce démon s'en va. C'est fini. Dieu t'a guéri aujourd'hui. Maintenant, on peut acclamer Jésus de Nazareth. Assis.
assis sur son trône. Merci, David. Dieu t'aime, c'est bon, c'est réglé. Lève-toi. Regardez-la bien. Les gens ne vont plus la reconnaître. Ses poumons, elle souffre de ses poumons depuis quelques temps. Vous savez, quand tu retrouves ces poumons-là. Jesus. La paix de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Merci Jésus. Tu as assez pleuré. C'est ton jour. Au nom de Yeshua. Merci Jésus. Dis Jésus. Jésus. Merci. Merci. Oh. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Voilà. Ma soeur, Jésus-Christ qui t'a amené ici a vu ta souffrance et aujourd'hui, il te libère. Au nom de Yeshua. Regarde-moi maintenant. Gloire à Dieu. Faites-la asseoir là. Faites-la asseoir. Merci. Gloire à Dieu. Voilà ma soeur. Dieu guérit tes blessures. Il guérit tes blessures. Maintenant. Maintenant. Pardonne à tous tes ennemis dans ton cœur. Tu pardonnes aussi à cet homme qui t'a beaucoup blessé. Au nom de Yeshua. Voilà. Un grand prêtre dans sa famille qui pratique. Vous entendez le parler en langue des démons là? Oh. Ton nom. Ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jesus. Le Seigneur est en train de briser les fondements du vaudou dans sa vie. Père, merci. Merci pour ma soeur. Voilà. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Fini, ma soeur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Voilà. Merci, Saint-Esprit. Jésus fait des miracles.
Magnifique. Ok. C'est un membre de sa famille. Un membre de sa famille. Il y a une danse initiatique dans sa famille, dans sa tribu. Une danse initiatique. Voilà. C'est ça là, cet esprit là. Des gens dansent autour d'un feu au village. C'est ça là. Vous voyez comment elle danse là? Et elle, on l'a initiée à cela. On l'a consacrée à cela. Tu vois, mon frère, tu ne l'as pas épousée, mais tu as des rapports avec. Et quand c'est comme ça, ben les démons, toi aussi tu as besoin de la délivrance. Ouais. Parce que ce qu'elle a là, elle te l'a transmis. Vous voyez, vous rencontrez des femmes, vous couchez avec, vous ne les épousez même pas. Et vous recevez des choses. Voyez-moi, ça c'est la danse initiatique. Et à la base de cette danse-là, à la base, il y a cet esprit-là qu'on trouve Shiva, qu'on trouve en Inde comme Shiva, hein, la sirène, tout ça des eaux. Voilà. Et elle a été tellement blessée aussi qu'elle a accumulé beaucoup de choses dans son cœur. La colère. Au nom de Yeshua. Dieu veut lui faire grâce. N'est-ce pas? Oh, Saint-Esprit, merci. Dieu ne nous a jamais déçus, n'est-ce pas? Jamais. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ma sœur, là où on t'a enterré, le Seigneur Jésus-Christ vient et il te ressuscite. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu partout. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Au nom de Yeshua. Saint-Esprit, merci. Voilà. Allez, mets-toi à genoux, ma soeur. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, maintenant. Voilà. Mets-toi à genoux. Au nom de Yeshua. Tu te mets à genoux et tu t'en vas. Enlève-moi ces bijoux-là, s'il vous plaît. Aidez-moi à enlever ces bijoux. Viens en même temps, on va prier pour toi. Enlevez ces bijoux. Il y a une jeune fille qui fait souvent des rêves, elle se voit dans l'eau. Et tu sens que la reine des côtes, la sirène des eaux, et tu le sais. Tu sens que la sirène des eaux veut se servir de ton corps. Le Seigneur te sort de l'eau. Ton corps ne sera pas utilisé par la sirène des eaux. Ne sera plus utilisé par la sirène des eaux. Plus jamais. Au nom de Yeshua. Je dis plus jamais. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a choisi, que Dieu a choisi pour pouvoir te rendre totalement libre afin que tu sois à son service au nom de Yeshua. Amen. Regardez-moi la danse initiale. Dieu permet encore ça pour que vous voyez. Ça fait combien de temps que vous connaissez? 6 mois? 2006. 2006. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas encore? Elle est d'où là? Benin, le Togo, elle est d'où? Cameroun? Ok. Bamileke? D'où? Bassa?
La coco? Ok. Tu es baptisé? Catholique? Au pays. Tu as pris par immersion. Et tu es reparti un peu dans le monde aussi. Ouais. D'accord. Tu es choqué par tout ça là? Trop. Hein? Tu ne savais pas qu'il y avait tout ça? Je ne savais pas. Parce qu'en fait, moi je vis ici, elle vit en Belgique. Bon, quand elle a un temps libre le week-end, c'est là où on vient peut-être me rendre visite en France ou bien viser ça. C'est comme ça. Tu travailles? Pour l'instant, je suis. Tu es au chômage? Tu as l'impression que tout est bloqué, non? Hein? Depuis quand? Depuis pratiquement 2 mois. Deux ou trois mois. Mmh. Serge, tu peux me poser tes mains sur lui, s'il te plaît. Seigneur, ces esprits qui veulent détruire cet homme et cette femme, soient chassés définitivement. Nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, Dieu qui m'a oint là pour vous chasser, là, vous n'allez plus rester dans ce corps-là. C'est fini. Et vous ne bougez plus ce corps-là. Je ne vous autorise plus. Fini, je dis. Je dis fini. Ne bougez plus encore. Je dis, je vous l'interdis maintenant au nom de Yeshua. Je vous l'interdis au nom de Yeshua. Le Mashiach. Ne la touchez pas. Dieu qui est avec nous là, il va le faire. Fini. Ma soeur, au nom de Yeshua, dans ton cœur, tu entends ma voix, tu libères le pardon par rapport à toutes les blessures que tu as subies dans ta famille. Parce que c'est à cause de cette colère que tu as dans ton cœur que ces esprits-là ne veulent pas libérer ta vie. Au nom de Yeshua, Jesus Christ, oh mon Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Retournez d'où vous venez aujourd'hui, maintenant, au nom de Yeshua. À genoux, maintenant. À genoux. Maintenant. Voilà. Maintenant. Je dis maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. À genoux. Chantons ce chant tous ensemble. Jésus. À genoux, je dis, c'est un ordre maintenant du ciel. Maintenant, au nom de Yeshua. Maintenant. Jésus-Christ, voilà, on a Yeshua. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Tu as assez souffert, femme. On a volé ton mariage, femme. Aujourd'hui, c'est ton jour. Jésus te libère définitivement, ma soeur. À genoux maintenant. C'est ton jour, je dis à genoux, ma soeur, on a Yeshua. Jésus-Christ. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Chantons-le pour le nom de Yeshua. Alléluia.
Voilà, chantons-le, c'est fini, au nom de Yeshua. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Voilà ma soeur, c'est ton jour, c'est fini. Voilà. Voilà. Mets-toi à genoux maintenant. Allez, à genoux. À genoux. À genoux, au nom de Yeshua. Et tu vas prier avec nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Père, merci. Merci, papa. Oh Père, merci. Il est sorti du tombeau. Merci Père. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Encore Jésus. Cet esprit a demandé de l'aide à un autre démon qui possède quelqu'un depuis très longtemps. Ah, c'est la sorcellerie qu'elle exerce là. La sorcellerie. Elle, il faut qu'elle abandonne sa sorcellerie. Il faut l'amener là. Elle est en train de donner la force à ce démon. En fait, elle doit confesser aussi des choses, elle. Voilà. Elle confesse des choses. Amenez-la moi ici. Elle, là, qui a crié, là. Viens, viens. Hein, qu'elle vienne ici. Chut. Chut. Il y a eu une coalition de démons ici, là. Des gens qui ont des esprits de sorcellerie. Ouais. Elle, elle par terre, il faut qu'elle confesse des choses. Quand est-ce que tu vas abandonner définitivement la sorcellerie là? Mais ouais, mais quand est-ce que tu vas abandonner? Comment? Je ne sais pas si je suis sorcière. Je ne sais pas comment je suis sorcière. Mm-hmm. Toi là, il faut que tu parles. Hein? Il faut que tu parles. Si tu veux la délivrance là. D'accord? Hmm? Elle là. Ah, vous vous mettez les pieds là où vous ne savez pas, hein, les amis. Là. Il y a des choses que je ne peux pas dire devant tout le monde comme ça. Mm-hmm. Vous priez pour quelqu'un, son esprit est loin d'ici. Là. Mm-hmm. Là, c'est son âme, son esprit n'est pas là-dedans. Elle, elle sait pourquoi. Mm-hmm. Ah, ils t'ont bien enchaîné. Bien enchaîné, mon frère. On te vole, on a envoyé un démon qui te vole tout. Tu ne peux rien faire comme projet. Tout ce que tu as comme projet là, ça part. Moi, je ne te connais pas. Hein. Son esprit, quand elle est venue ici, son esprit. Mm-hmm. Et l'esprit de sorcellerie qui est en elle, là, tout ça, là.
communiquer avec son esprit. Comme on arrive à la fin du programme, les sorciers sont mandatés, sont excités. Ouais. Ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui veulent servir Jésus, qui veulent abandonner, n'ayez pas honte, comme d'habitude, levez vos mains. N'ayez pas honte. Même les enfants, là, vous qui êtes dans la sorcellerie, levez vos mains. On va prier pour vous. Levez vos mains. N'ayez pas honte. Au nom de Yeshua. Viens. On acclame Jésus. Un enfant comme ça. Oh oui, viens. Comment tu t'appelles? Ethan. Hein? Ethan. Laissez-la. Il y a le feu qui est là. Elle-même a enlevé ses mains. Ah oui? Je ne sers pas un Dieu mort. Hein? Les démons le savent. Mon Dieu, le feu qui est là, elle-même avait enlevé ses bras, là, ses mains, là, au nom de Yeshua. Maintenant, la puissance de Dieu, Jesus Christ. Voilà. Vous voyez? Voilà, elle les a enlevés elle-même. C'est l'esprit de sorcellerie, la sorcellerie qui est là. Initié. Voilà. Par la danse, la famille. Voilà. Voilà, vous entendez? Vous entendez? Ah oui, hein? On acclame Jésus. Ah oui, hein? Ah oui. Vous voyez comment Dieu parle? Oui. Vous couchez avec une sorcière, vous couchez avec... Vous voyez les choses, vous... Il y a des choses, hein, frère. Hein? Hein? Oui. Dieu... Oui. Là où il y a la lumière, là, les ténèbres ne peuvent pas se cacher. Amen. Qui croit que le Seigneur est sauveur? Amen. Ah bah oui, frère. Ethan, dis-moi. Qui t'a donné la sorcellerie? Papy. Ok, ton papy, hein? Regarde-moi, n'aie pas honte. Il t'a donné ça comment? Ok. Et tu as vu le diable déjà? Non. Parle un peu, regarde-moi si tu veux. Tu veux te délivrer de ça? Non. Tu as vu le diable? Non. Et qu'est-ce qui te dit le diable? Non. Dis-moi plus fort. Non. Il t'attaque des gens. Non, regarde, mais tu parles pas bien, faut pas. Si tu veux te délivrer, faut pas avoir peur ni honte. Regarde-moi bien comme il faut là. Faut pas faire des machins là, des signes bizarres. Non. Vous entendez ça? Non. Maman, t'inquiète pas, ça va rien faire ici. Non. Elle doit confesser des choses. Non. Si la sorcellerie doit sortir, elle-même elle doit parler. Amen. On est d'accord, non? Amen. Voilà. Non. Là où il y a l'onction de Dieu, là, quand il y a la sorcellerie, là, tout est brisé. Au nom de Yeshua. Rien à faire. Faut même pas vous occuper. C'est Dieu va s'en occuper. Elle, quand elle va revenir, là, son esprit qui est dehors, là, quand il va revenir. Hein? Bah oui, parce que l'esprit est déplacé. Bah oui, parce qu'il y a le feu. Le démon de sorcellerie qui est là. C'est que pour chasser un sorcier, délivrer un sorcier, il faut que son esprit soit dedans. Ben oui, parce que ça sort astralement, à cause du feu. Si l'esprit revient, là on va discuter. Est-ce que tu veux abandonner? Oui, là. Ah oui. Ethan, le diable te demande quoi? D'attaquer les gens. D'attaquer les gens? Oui. Même ici, quand on prie ici? Oui. Il t'a dit de m'attaquer aussi? Oui. Et tu as, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as vu? Ça va, Ethan? Tu as vu Jésus ici? Non. Tu as vu Jésus? Jésus t'a... Tu as réussi à attaquer les gens ici? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas réussi à attaquer les gens ici? Non.
T'es sûr de toi, Ethan? Regarde-moi, s'il te plaît. T'es sûr de toi? Arrête de faire ça. Là. Voilà, il y a le téléphone, là, faut pas. Voilà. Vous voyez, cet esprit sorcier ne veut pas que les gens, ça, c'est la distraction. Mm-hmm. Jesus Christ, cet enfant-là, il faut qu'il soit délivré. 7 ans. 7 ans, non? 7 ans? 7 ans. 7 ans. Priez, frère, pasteur Jean, que son esprit revienne en elle, là. Après, on va parler, il faut qu'elle confesse. Ce démon, cet esprit-là, c'est pour distraire. Mm-hmm. Qui veut que cet enfant soit délivré? C'est une souffrance, 7 ans. Ce papy qui l'a initié, son papy. Tu veux te délivrer de ça? Oui. Dis, demande quelque chose. Tu veux que le Seigneur fasse quoi pour toi? J'arrête la sorcellerie. D'arrêter la sorcellerie. Tu veux dormir normalement la nuit? Oui. D'accord. Et il n'est pas le seul. Il y a quelqu'un d'autre qui veut abandonner, mais qui a honte. S'il te plaît, n'aie pas honte. Parce que si tu meurs dans la sorcellerie, tu vas en enfer. Viens. Ok, toi c'est autre chose. C'est autre chose. Tu peux t'asseoir, le secret de t'as déjà vu. Toi aussi, c'est la distraction là. Arrête d'enlever la main aussi. Voilà. Faut pas se moquer du Seigneur ici. Là. Quelqu'un d'autre qui veut abandonner la sorcellerie, qui a honte. C'est toi? Qui t'a initié à la sorcellerie? Mon papi et ma mamie. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'ils te demandent, ton papi et ta mamie? Ils te disent quoi? Tu veux abandonner le diable? Oui. Waouh. Ta maman est où? Tu es au courant de ça? Tu es au courant? Vous avez vu une belle jeune fille comme ça? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et papy et mamie lui donnent la sorcellerie, sort son esprit la nuit. Si Dieu me montre ces choses-là, c'est parce qu'aussi, il m'a donné la clé, parce que pendant que je priais pour cette sœur, quand je voyais que sa délivrance durait, je disais, Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une délivrance qui dure et qui a un souci. D'accord? Et là, le Seigneur me dit, ben, c'est la sorcellerie. Son esprit n'est pas en elle. Il est dehors à cause du feu qu'il y a ici. Et c'est un démon qui téléguide son âme. Et c'est pour cela qu'il faut qu'elle revienne. Parce qu'en fait, au départ, le Seigneur m'a montré qu'il y avait la danse initiatique. Et par la danse initiatique, on initie les gens à la sorcellerie. C'est vrai. Ah ben, c'est la vérité. Ben, voilà. Et suite à cette révélation que le Seigneur m'a donnée, et suite à cette délivrance-là, cette prière, le Seigneur m'a dit, il y a d'autres sorciers. Bon. Oh Seigneur Jésus. Un enfant qui est beau comme ça, là. Je vais inviter les parents de ces enfants, venez. Venez. Priez toujours pour que son esprit revienne en elle. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jésus de Nazareth. Quand son esprit va revenir, elle va se réveiller tout de suite. Mm-hmm. Là où tu es caché là-bas, esprit de cette sœur, tu réintègres ton corps. Là. Au nom de Jésus de Nazareth. Levons nos mains, prions pour ces deux familles. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Que ces enfants soient libérés de la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jesus Christ. Alléluia.
Sortez de ce corps sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. 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 Nous brisons ces alliances. Nous brisons les alliances de la sorcellerie. Nous brisons ces alliances. Nous brisons ces alliances maintenant. Ma soeur, je te demande au nom de Yeshua de Nazareth. Toi qui m'entends au nom de Yeshua. Regarde-moi maintenant, ma soeur. Regarde-moi. Voilà. Regarde-moi, je dis. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu me regardes, c'est un ordre. Femme, regarde-moi. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Merci Saint-Esprit. C'est réglé pour tous les jours, imposez-leur les mains. Fini, vous n'allez plus sortir la nuit. Fini, 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 fini. D'accord? Fini. Fini, vous pouvez prendre vos enfants là. C'est réglé au nom de Yeshua. Fini, c'est réglé. Toi, tu as confessé la sorcellerie, mais il faut définitivement abandonner. Parce que le Seigneur, tu viens de le dire. Je lui ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle se confesse. Elle m'a dit, elle sait pas, c'était de quoi. C'est pour... Voilà, la sorcellerie, parce que Dieu a ouvert les yeux à une sœur. Elle a vu, elle t'a vu nue de l'autre côté là-bas. Rien ne sera caché ici. Ceux qui ne veulent pas abandonner, Dieu va les exposer encore davantage. Il faut que toute la sorcellerie soit dévoilée. Quelqu'un d'autre veut abandonner la sorcellerie ici. Quelqu'un d'autre qui est là. Tu sens que Dieu t'appelle à le faire, que la mort arrive. Et tu sens qu'il faut que... Tu peux arrêter le chewing-gum, s'il te plaît, merci. Tu sens que la mort arrive et le Seigneur veut que tu le fasses. Que tu abandonnes la sorcellerie aujourd'hui même. Tu as un fil de la sorcellerie qu'on t'a donné, que tu mets autour de la taille. Tu es là. Viens avec ça. Parce que c'est un serpent qu'on t'a donné. Tu ne sais même, t'es même pas conscient de cela. On t'a donné un fil que tu portes autour de ta taille. Amène-moi ce fil-là. Tu vas l'abandonner. Tu vas la lâcher au nom de Yeshua. 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 Tu vas lâcher ce corps au nom de Yeshua. Mm-hmm. Tu vas quitter cette dame, sorcellerie, vaudou. Assis-toi là au nom de Yeshua. Voilà. On acclame Jésus. Je dis à quelqu'un ici qui a quelque chose qu'on t'a donné autour de la taille. Amène-moi ça, s'il te plaît. N'aie pas honte. C'est la mort. C'est un serpent que tu portes là. Si tu pars avec ça comme ça, là, c'est la mort assurée. Je veux que tu amènes ça tout de suite. S'il te plaît. Viens avec ça. Mm-hmm. Au nom de Yeshua. Amenez-moi. Alléluia. Amen. Qui croit que Jésus est là? Voilà. Les sorciers se sont trop longtemps cachés dans les assemblées. Nous avons un Dieu tout-puissant. D'accord? Elle a témoigné publiquement de la sorcellerie du vaudou la dernière fois qu'elle sortait de son corps. Vous étiez là. Dieu a ouvert les yeux à une sœur qui n'était même pas là, qui n'a pas suivi son témoignage. Elle a vu l'autre côté nu pendant qu'on était en retraite de prière. Et vous savez, Dieu veut libérer les sorciers. D'accord? Dieu veut libérer. Elle va vraiment confesser des choses terribles. Et le Seigneur me dit, s'il n'y a pas la confession là, ça va être terrible parce que le jugement va être terrible, terriblement sur elle. Parce que vous buvez du sang, vous tuez les âmes. Vous vous associez avec le diable pour faire du mal aux gens, pour envoûter les gens. Vous devez tout abandonner.
Sinon, c'est la mort. Votre mission ici, là, vous devez tout balancer. Là. Ouais. Si. Si tu peux. Vous pensez que nos cerveaux, ils viennent en fait pour nous tester. Nous ne sommes pas dans l'impudicité. Nous n'allons pas tomber dans l'impudicité. Nous n'allons pas tomber dans la cupidité. Nous n'allons pas. Nous allons servir Jésus jusqu'à la fin de notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et vous n'allez pas tuer le réveil. Vous n'allez pas détruire les enfants de Dieu. C'est fini. Soit vous vous convertissez, soit c'est le jugement de notre Dieu qui viendra sur vous. Comme sur Bar Jésus, le jugement était venu. Oui. Qui croit que Jésus est Seigneur? Voilà. Satan les envoie pour éteindre le feu, pour attaquer les enfants de Dieu, pour voler la parole qui est donnée. Je prophétise. Tous les sorciers, vous avez une semaine pour vous convertir. Sinon, je vous dis, le jugement de Yahweh va s'abattre sur vous. Au nom de Yeshua. Je brise votre chaîne avec laquelle vous voulez lier les enfants de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je brise vos réunions. Nous dispersons les sorciers. La confusion règne dans leurs réunions. Partout ils font des réunions. Au nom de Yeshua. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous n'allez pas empêcher la réussite de la réunion du 19 décembre, car le peuple de Dieu sera délivré et Jésus sera glorifié au nom de Yeshua. Je prophétise le réveil, je prophétise la guérison, je prophétise la délivrance, je prophétise la restauration de vos familles, de vos vies, de vos services, de vos dons, de vos foyers, vos enfants, vos pères, vos mères, vos fils, vos filles, au nom de Yahweh. Je prophétise, vos enfants vont servir Jésus. Je prophétise, vos maladies sont brisées. Le sida est renversé. Le cancer est renversé. L'hépatite est renversée au nom de Jésus de Nazareth. Oh, il y a quelque chose. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint au nom de Yeshua. Toutes vos flèches, nous les brisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes vos caméras, nous les renversons. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle, Dieu s'en occupe. Si Dieu tombe sur elle comme ça, là, c'est parce qu'il veut la libérer. Vous comprenez? On l'a utilisé dans sa famille depuis son enfance. Aujourd'hui, la grâce de Dieu lui est accordée. Je vous dis. Je vous dis. C'est quoi ta mission? Tu veux parler? Jesus. Oh. Elle a déjà confessé publiquement. Elle a déjà confessé publiquement. Dieu s'occupe de tout. Ces sorcières, c'est des réseaux. Pendant des années, ils ont voulu me tuer. Dieu les a confondus.
Ils ont voulu disperser le travail que Dieu nous a donné à faire. Dieu les confond. Aujourd'hui, après le 19, le feu va encore se répandre partout, 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 au nom de Yeshua. Fini. Au nom de Yeshua. Voilà ma soeur. Maintenant, si tu veux la délivrance, je m'adresse à toi ma soeur. Si tu veux la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets-toi à genoux. Voilà, mets-toi à genoux. Enlevez le pagne là, voilà. Ma soeur, si tu veux la délivrance de ton esprit, de la sorcellerie, tout ça, l'envoûtement, maintenant tu te mets à genoux. On y va. Tout dépend de toi maintenant. Tu te mets à genoux, tu peux le faire. Tu te mets à genoux si tu veux la délivrance. Je répète une dernière fois. Femme, toi qui es venue pour la première fois ici, si tu veux la délivrance de cet esprit de sorcellerie de ta famille, tu te mets à genoux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La force, tu l'as. Parce que la parole nous donne cette force-là. Celui qui croit sera délivré. Voilà. Cet héritage de ta famille, le Seigneur veut t'en délivrer. Mais aujourd'hui, c'est à toi de décider réellement au nom de Yeshua. Parce que ce n'est pas la folie. Si tu étais folle, on ne te demanderait pas ça. Tu as la conscience et tu entends ma voix. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur m'a mandaté pour libérer son peuple. Et nous voulons voir des âmes libérées. Ça nous fait mal au cœur de voir des gens. Jesus. Qui a compassion pour cette femme? Ça nous fait mal au cœur. Et j'implore la miséricorde de mon Dieu pour elle. Père, tu peux la sauver. Tu peux la sauver. Voilà la force du Saint-Esprit, femme, au nom de Yeshua. Allez, mets-toi à genoux. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. Jesus Christ. Oh, Jesus. Je refuse que son âme aille en enfer. Il y en a, il faut les arracher de là. Oh, Dieu d'Israël. Dieu miséricordieux, Dieu de bonté, tu peux lui accorder la vie. Père, je te le demande au nom de Yeshua. 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 Voilà, laissez-la elle-même, elle va le faire. Je te le demande au nom de Yeshua. C'est au nom de Yeshua que je te demande cette grâce, cette faveur. Devant le monde entier. Toi qui m'as dit va et libère mon peuple. Cette femme a posé ses pieds ici. Ne permets pas qu'elle reparte avec la mort.
Seigneur, toi qui m'as sauvé, tu peux la sauver aujourd'hui. Au nom de Yeshua, tu peux lui accorder ta grâce. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Mets-toi à genoux, femme. Mets-toi à genoux pour ta délivrance. Au nom de Yeshua. Maintenant. Jesus Christ. Quel que soit là où on a, quel que soit ce que le diable t'a donné, quel que soit où là où on t'a mis, le Seigneur que je sers me fait comprendre aujourd'hui qu'il veut ta délivrance. Oui, il veut ta délivrance. Et c'est là. Merci. Mets-toi à genoux. Je prie que Dieu te sauve. Oui. Oui. Voilà, mets-toi à genoux. Femme, au nom de Jésus. Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais. 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 Quand une âme est sauvée, une grande joie éclate au ciel. Quand une âme est délivrée, une seule âme, le Père est dans la joie. Papa, je te bénis au nom de Yeshua. Je te bénis, Père très saint. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, au nom de Yeshua, je te rends grâce pour la vie qui prend place dans ce corps. Je te rends grâce pour ta miséricorde, Père. Je te rends grâce pour ta joie. Je te rends grâce pour ta bonté pour cette sœur. Je te rends grâce. Accorde-lui la vie aujourd'hui, Papa. Accorde-lui la vie de Dieu. Accorde-lui ta grâce. Accorde-lui ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Accorde-lui ta miséricorde, Seigneur. Je t'implore, Dieu d'Israël, Dieu de bonté. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Père, merci. Père, merci. 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 Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Merci. 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 Jesus. Jesus. À genoux. Il vient pour nous. Il vient. Il vient pour nous délivrer, levant nos mains vers lui, il nous relèvera, il vient pour nous Est-ce que vous croyez que les sorciers peuvent être sauvés? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Est-ce que vous croyez que les gens qui sont initiés depuis le ventre de leur mère au service de Lucifer peuvent être rachetés? Amen. Une âme qui va en enfer, est-ce que cela plaît-il au Seigneur? Est-ce que cela plaît au Seigneur? Jamais. 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 Ce lieu, depuis 2 ans et demi, le Seigneur s'en sert pour rendre libre son peuple. Ouais.
Même si c'est le pire de sataniste qui entre ici, là, ma prière est qu'il reparte avec la vie. Et Dieu, Dieu est amour. Est-ce que Dieu veut qu'elle soit sauvée? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Comment c'est son prénom? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a été libérée de sept démons dans la Bible. Marie-Madeleine, donne-moi ta main. Marie-Madeleine, donne-moi ta main au nom de Yeshua. Marie-Madeleine, ton esprit réintègre ton corps au nom de Yeshua. Donne-moi ta main, Marie-Madeleine. Donne-moi ta main. Si tu veux la délivrance, Marie-Madeleine, au nom de Yeshua, donne-moi ta main maintenant. Voilà, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Voilà, donne-moi ta main au nom de Yeshua. Lève-toi. Lève-toi. Laisse-la, laisse-la. Quelle que soit l'initiation qui a été faite sur toi, si tu veux t'en sortir, si tu veux sortir de là, Marie-Madeleine, tout dépend de toi. Voilà. Lève-toi, au nom de Jésus. Lève-toi, au nom de Yeshua. Lève-toi, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Donne-moi l'huile d'onction. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. L'amour du Père guérit toutes tes blessures. Toutes tes blessures, Marie-Madeleine. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi. Au nom de Yeshua. Oh, Père, merci. Merci, Père. Merci. Merci. Il y a eu un homme, Marie-Madeleine, qui t'a beaucoup déçu, beaucoup blessé. Cet homme t'a blessé, t'a abandonné, et ton âme était beaucoup blessée. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Il essuie tes larmes au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur panse toutes ces blessures. Toutes ces blessures. Au nom de Yeshua. Mm-hmm. Magnifique. 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 Christ a pris. Christ a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché. Attaché à la croix pour moi. Encore attaché. Attaché. Magnifique. Attaché à la croix pour moi. Christ a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi.
Oh, merci. Oh, merci, Père. Chante ce chant. Levez nos mains vers le ciel. Se lève, levez-vous, levez-vous. Thank you.
Christ est roi. Christ est roi. Nous par la main, bien-aimé. Thank you.
délivre-moi. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. On peut acclamer le Seigneur. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Alléluia. À genoux, Madeleine. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Madeleine, c'est fini. Fini, Madeleine. Donne-moi ta main. Voilà. On acclame Jésus. Lève-toi. Lève-toi. On acclame Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, elle devait aller en enfer. Je me suis mis à genoux devant le trône avec elle. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour voir des âmes aller en enfer. Non. Son esprit, là où il était parti, un ange est allé le prendre. Il l'a ramené. Et la dernière chose que Dieu m'a dite pendant que j'étais à genoux avec elle, on l'a consacrée à Marie depuis le ventre de sa mère. Il y a eu plusieurs consécrations. Ce type de démon, vous pouvez mettre des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Personnellement, je ne peux pas accepter que des gens qui viennent de loin, qui entrent ici. Alors que, frère, Dieu, Christ a versé son sang à la croix. On ne peut pas accepter que les âmes de Dieu repartent avec leur maladie, avec leurs démons. Depuis que je fais la délivrance, je n'ai jamais vu ces choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas seulement des démons, mais des esprits humains. Et elle-même aussi impliquée dans beaucoup de choses. Et à la fin, Dieu nous a accordé sa miséricorde. Et nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce. Oui, on peut vraiment se mettre à genoux pour dire merci au Seigneur. Et Madeleine y compris comme elle le fait maintenant. Si bien. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, trois fois. Seigneur Tout-Puissant, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir accordé la vie éternelle à Madeleine. Jésus-Christ. Maintenant, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci et merci. Reçois toutes ces acclamations, Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Papa. Amen. Dieu vous dit, si vous vous sanctifiez tous les deux, il va vous bénir dans votre mariage et vous allez faire beaucoup d'affaires. Vous allez faire beaucoup, vous allez envoyer beaucoup de conteneurs au pays pour faire des affaires et aider les veuves et les orphelins. Au nom de Yeshua. Madeleine, tu peux rentrer tranquillement au nom de Yeshua. Voilà. Waouh. N'aie pas peur de l'aider. Encourage-la. Ne la touche plus jusqu'au mariage et tu verras ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne partez pas encore. Demain, dimanche, nous sommes à Nantes. Nous sommes à Nantes
Toutes les informations sont sur le site de TV de Vie. Comme vous le savez, nous ne voulons plus collaborer avec des hommes qui ne veulent pas de la vérité. Nous ne voulons pas, comme beaucoup de gens sont touchés par le message le monde entier, nous ne voulons pas les envoyer dans les bâtiments où ils sont contrôlés, où ils sont dépouillés, où ils entendent un autre message. Non. Et nous allons demain à Nantes pour dire que nous ne travaillons plus avec une assemblée là-bas. Nous n'allons plus envoyer les enfants de Dieu dans ces assemblées. Nous voulons crier haut et fort que Jésus-Christ revient. Fini les pasteurs qui manipulent les gens, qui dépouillent le peuple. Le 4 janvier, nous sommes à Lyon. Nous sommes en train de chercher une salle d'hôtel. On va aussi aller annoncer aux Lyonnais qui sont là. Les frères de Lyon, levez-vous, nous vous accueillons, nos Yeshua. Alléluia. Mon frère Bachi, il y a beaucoup de gens à Lyon qui sont touchés. Beaucoup de gens. Et on va faire le point tout à l'heure. Et il y a des connexions là-bas avec des frères qui demandent les contacts des frères et sœurs. Pareil, on va aller partout où Dieu nous enverra pour annoncer l'évangile. Je suis dans la joie de revoir mon frère Brice. Sois fortifié, ça fait plaisir. Et Dieu rassemble ses enfants, ses élus. Et après le 19, on va beaucoup, comme vous le savez, beaucoup bouger. Ici et là. Le 23 novembre, nous sommes à Marseille. On n'a pas encore trouvé de salle. Ceux qui sont de Marseille, qui ont des locaux à partager ou une maison à nous accueillir pour une réunion de réveil, nous serons vraiment dans la joie. Donc le 23, nous sommes à Marseille. Et donc demain, Nantes, c'est toute la journée, de 10h à 16h, il y aura une pause vers 13h. Toutes les personnes qui veulent le baptême, venez. Venez à ma gauche, nous allons vous baptiser tout de suite. Ah ben, gloire à Dieu. Ah ben voilà, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, magnifique. Oh, le Seigneur est glorieux. Oh, le Seigneur est magnifique. Regardez-moi l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, magnifique le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a nos amis qui viennent de Saint-Martin, que nous accueillons avec joie au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Oh, magnifique le Seigneur. Voilà, tu as retrouvé tes poumons là. C'est bien. Gloire à Dieu. Hein? Madrid. Waouh, Madrid. Pour le programme de réveil. Ouais. Tu rentres quand? Je souhaite entrer aujourd'hui. Je suis là hier, je suis à l'hôtel à côté. Waouh! Mes amis, vous vous rendez compte? Madrid, il faut qu'on aille aussi à Madrid là-bas. Là. Toi aussi, tu veux le baptême, mon grand? Viens, viens, viens. Ouh là là, c'est magnifique ça. Magnifique. Elle aussi là. Oh, magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. Angleterre, venez par ici, venez par ici. Voyez l'œuvre que Dieu fait là, c'est beau, c'est beau. Oh, l'Angleterre, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, magnifique le Seigneur. Ça va? Ça vous fait? Voilà, alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu a beaucoup servi de toi, mon frère, dans avec la jeunesse là. On a Yeshua. Pour le ventre? Eh bien, c'est réglé. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon. C'est bon, c'est réglé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Vous pouvez passer par là. Regardez-moi tous ces gens. Venez par ici. Je suis dans la joie. Le baptême, le baptême. Est-ce que vous pouvez acclamer le peuple? Oh Jésus de Nazareth. Oh my God. Alléluia, ça va? Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est réglé au nom de Yeshua. Alléluia. C'est réglé. Réglé. Alléluia. Magnifique. Magnifique. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que Dieu fait là, mes amis là? Magnifique. Croissy. Waouh. Tu es footballeur là-bas ou quoi? Tu étais footballeur? Waouh! Tu rentres là-bas après? Oui, ce matin, je rentre. Tu rentres demain matin? À 6h demain. Croatie, vous rendez compte? Il y a des gens à Croatie qui suivent TV de Vie. Ah, j'ai vu ça sur YouTube. Waouh! C'est elle qui m'a dit qu'elle avait les coordonnées. Et, puis je... et tu es arrivé. Tu as pris l'avion, tu es venu. Le bus. Le bus. Tu as mis combien de temps? 23 heures. On acclame Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Oh, magnifique. Magnifique, Jésus est magnifique. Waouh, 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 waouh. Mes amis, regardez-moi tous ces baptêmes. Bruno sourit, mon frère. Est-ce que vous vous rendez compte? Les choses que Dieu nous a promises, on commence à voir les prémices. Tous ces baptêmes, frères et sœurs. Tous, cette grande fête au ciel, frères et sœurs. Cette magnifique, magnifique, magnifique. Poser une question. Oui. Au fait, je me suis déjà baptisé cette année même. Je demandais si c'est possible de se baptiser. C'est comme tu le sens. Il n'y a pas de souci.
Gloire à Dieu. Si tu sens que ton premier baptême n'était pas correct. Oh mon grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle aussi. Alléluia. Oh alléluia. Est-ce que vous rendez compte de ce que... Oh magnifique. 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 Allez. Hein? J'étais déjà baptisé 2005 ans. Ah ben là avec la sorcellerie, c'était pas ça là. Donc ça. On recommence toi à zéro là. Non, il y a chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Oh alléluia. 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 Le baptême aussi. Tu veux le baptême aussi? C'est bien. Hein? Vous savez faire la portugaise? Speak English. What do you want? Baptism. Glory, hallelujah. Welcome. Where do you come from? Nigeria. Nigeria. Ah, God bless you, sister. Hallelujah. Good. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu veux le baptême aussi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que là-bas, tout est prêt déjà de l'autre côté là-bas. Là. Tout est prêt. Gloire à Dieu. Ma joie est grande. Ma joie est grande. Plus grande que quand je vois les délivrances. Oh, je me mets à genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Vous êtes tous beaux, belles. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Hein? Je suis tout ému là. Bruno, souris, s'il te plaît. Avec Catherine, vous pouvez aller baptiser ces gens-là. Toi les femmes, ma soeur Catherine et puis Bruno, les hommes, suivez Catherine qui est là, de l'autre côté là-bas. Suivez, allez là-bas, allez. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Pour le diabète, c'est réglé. C'est réglé. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Jesus. Ça va aller. Hein, mon grand. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, après 23 heures de route, je vais te recevoir. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. C'est réglé. Alléluia. Amen. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'adorer. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tikangai na yembelayo. Zambenanga. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Oh, amen. Jésus, oh. Amen. Les PV7, oh, on va chanter ensemble. Alléluia, amen. Chantons alléluia. Oh, amen. Wow. Amen. Les amoureux de Jésus. Oh, amen. Alléluia, amen. C'est à vous. Chantons alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. J'aime Jésus, amen. L'amour de ma vie, amen. J'aime Jésus, oh, alléluia, amen. Mololo, 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 mololo. Amoureux de Jésus. David, on y va.
secondes. Par rapport au programme du 19, on a beaucoup de dépenses à faire, comme vous le savez, dans la paix, dans la liberté. Ce que Dieu vous met à cœur pour participer, parce que ça nous coûte beaucoup. Donc faites ce que Dieu vous mettra à cœur. Amen. On aura besoin de finances pour pouvoir soutenir cette participer à cette journée. Et sachant qu'il y a des gens qui viennent de partout, il faut nourrir. Et comme Dieu vous mettra à cœur. Et nous quittons, nous laissons ici aussi dans 3 semaines. Pensons, on va s'organiser aussi pour bénir cette salle, les frères et sœurs qui nous ont servi ce local pendant des années, hein, pendant 2 ans et demi, 3 ans, pour les bénir aussi financièrement. C'est ce que Dieu me met à cœur aussi. C'est cela aussi la justice du Seigneur. Amen. Donc ce que Dieu vous met à cœur par rapport au 19, faites-le librement, dans la paix. Qui a une belle voix qui veut chanter ce chant-là? Amen. Kanga ina yembela yo, amen, alléluia. Kanga ina salela yo, kanga ina yembela yo, kanga ina kumisa yo, amen, alléluia. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, amen, alléluia.